C'est l'une des premières, il y aura 25 prises. Et tout ça pour le monteur. Bon courage. Attention. Ouais, c'est moi canon, le Claude. Si ça continue, vous allez vous saouler. Ah, c'est goûtu. Ça a du retour. Ça y est, Bébert, les sommets du Digital 2020. De retour à la montagne, alors? Mais de retour à la montagne, avec cette année une belle sélection dans le Welcome Pack. Qu'est-ce que tu nous fais déguster, alors? Joli Pouilly Fissé chez Robert de Nogent, sur super. Une cuvée des vignes, avec un joli élevage, tu vas voir. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, on vous regarde souvent avec PPC, et on trouve que vous parlez très bien de l'alliance entre les vins et les mets. Oui. Il n'y a pas que ça, il y a l'environnement. Alors, je vous ai amené des fleurs. C'est important, c'est la nappe, la couleur, la lumière, l'ambiance, l'odeur et les fleurs. Voilà. C'est aussi l'art de la table. Faites comme si on n'était pas là. Très bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce Pouilly Fissé alors? C'est fondu, on a ce petit boisé, mais... Et belle note minérale hein, qui ressort. Hein. Mmh. Il y a un élevage très très long, hein. On est sur 35 mois. Je voulais juste, parce que Jérôme nous a parlé de l'art de la table, c'est une super idée. Mais en fait, on s'habille comment? Vous parlez toujours plein de trucs et dans votre émission, j'ai jamais vu comment on s'habille, comment on se sape. Chemise Pouilly Fissé, c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'il faut dire sur ce Pessac? Pour avoir l'air malin, tu sais, dans le genre, oh, il a de la robe, il a de la cuisse, tu vois. Alors, comme avant ça. De commencer par là, il faut d'abord savoir l'assemblage. Donc, en Pessac Léognan, on a une dominante Cabernet Sauvignon avec une complémentaire de Merlot. C'est-à-dire qu'on va trouver plutôt des notes de cassis, alors que le Merlot, lui, va apporter de la prune. Il y a aussi des épices, il y a aussi un élevage qui va apporter un petit peu de fondu, de notes vanillées. On est sur un 2016. Un grand millésime à Bordeaux. Je sens un petit peu de calcaire, un peu de pierre à fusil. Ce que vous décrivez, c'est des notes minérales. D'accord. Donc minérales, on a les notes calcaire, on a des notes de pierre à fusil, silex. On a le fruit derrière qui est assez fondu. Et cette douceur avec l'élevage qui reste derrière. Ces petites notes boisées, un peu vanillées. On vous a dit qu'on était tous les deux à l'église mormone, on ne boit pas d'alcool. Oui, enfin, mais oui. Apparemment, ils peuvent déguster. Hein. Tout à fait. Voilà. Voilà, on ne boit pas, on déguste. On crache. Voilà, allez, on va travailler. Hein. Excusez-nous, on a beaucoup de travail. Au revoir, à bientôt. Et on n'a pas présenté le Château-Neuf-du-Pape.